incroyable. Oh, la sec, la sec, la sec. Oh, la famille, ne t'arrête pas. Et bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore et toujours en présence de la SIGIC Régal, maman, pour une petite annonce, petite nouvelle, petite vidéo un peu space. Qui régale, maman. Par contre, la coupe pas trop régalade. Hein. Oh. Retour au coiffeur imminent bientôt. Bref, je m'étais chauffé un petit peu l'équipe là. J'avais fait un petit appel, pas help, mais genre s'il y avait des gens qui jouaient un peu à Assetto Corsa premier du nom, le first name, et même au ACC en fait, un peu des deux. Et j'avais mis ça sur les groupes FB et tout ça qui sont sur Assetto, Corsa Competition et le normal. Et j'ai dit, vas-y, il faut que j'essaye de réunir un peu de monde là, tu vois, qu'on arrive à rouler. Parce qu'en fait, la plupart des gens, tu vois, ils m'ont dit, ouais, il y a SI, il y a WSS, World Sim et tout ça là. Il y a LFM, tout ça, mais bon, tout ça, on a en vrai, enfin, l'un ou l'autre, on a déjà été, même dans d'autres trucs, tu vois. Pareil, il y avait des ouais, moi je suis sur le Discord là et tout, mais frère, tu rentres dans les Discord, c'est Bagdad, il y a 50 000 onglets, 50 000 trucs, tu comprends un béni, surtout que j'étais pas trop Discord à la base, tu vois. Je dis putain, comment, tu vois, c'est donc j'ai mis un post, voilà. Je cherche des gens qui roulent sur AC ou sur ACC, mais qui sont dispo tel jour, enfin telle heure, temps et tout ça. Et si ça intéresse, voilà, un peu plus de monde, quoi. Quitte à récupérer un serveur et tout ça, tu vois, qu'on a un truc à nous, propre, bien fait. Et au final, j'ai eu pas mal de réponses en peu de temps, tu vois. Et du coup, j'ai créé un groupe FB spécialement. En fait, je les ajoutais à chaque fois qu'il y en a un qui était un peu chaud, tu vois. Je les ajoutais dans le FB. Et en fait, eh ben, on s'est fait un petit groupe sympathique. De là, il y en a un, il a créé un petit Discord là. Je lui ai dit de créer un Discord, tu vois, pour qu'on puisse mettre du coup les modes, les voitures, les trucs, les discussions, les events, tu vois, les liens. Et en fait, et bah, figurez-vous qu'en moins de 3 jours, chrono, moi je pensais, je me suis dit, waouh, chaud, ça va durer au moins, bon, le premier mois, tu vois, le temps déjà de réunir du monde, de voir à peu près comment ça roule, créer un truc et tout, tu vois, minimum, je pense, 3 semaines, un mois, tu vois, le temps de, voilà, de rassembler et tout. Et en fait, et bah, non, pas du tout, en 3 jours. On a réuni un petit groupe là, PPR. Il y a du monde qui se rajoute au fur et à mesure, tu vois, mais on a réuni un petit groupe PPR. On a créé le Discord avec chaque onglet propre, bien détaillé, pas comme tous les Discords où c'est Bagdad à n'en plus finir. Et en fait, je me suis chauffé, je dis vas-y, faut qu'on. Si vous êtes chaud, moi, je fais un serveur, tu vois. Après, la question c'était, ouais, est-ce que j'en crée un moi? Ou est-ce qu'on en achète un? Enfin, on en loue un. Et en fait, ouais, non, j'ai dit, vaut mieux que j'en loue un, parce qu'en fait, j'ai regardé les prix d'abord. J'ai dit, bon, c'est sûr que si c'est, je sais plus combien, 50 balles ou 60 balles par mois, ou même 20 ou 30 balles, bon, ça va me casser les couilles. Après, on se partage les frais, c'est pas grave, tu vois, mais ça fait chier, tu vois. Et en fait, j'ai regardé les prix. Le plus haut de gamme des locations, c'était 7 euros. Tu vas à 7 euros, on le prend, il n'y a pas photo. 7 euros, parce qu'en fait, faut savoir que quand tu crées un serveur, toi, ça veut dire si je débloque mes ports comme de la box, tout ça et tout, que je crée moi-même le serveur, et ben, c'est gratuit. Mais en fait, tout le monde, y compris moi, repose sur ma connexion et mon PC. Ça veut dire, en vrai, même si j'ai un PC qui est difficilement mis en sueur, on va dire ça comme ça, mais justement, le but, c'était pas de le mettre en sueur, parce qu'en fait, chaque personne qui rentre dans la partie sur le serveur et tout, en fait, il dépend de toi. Donc, ça joue sur la bande passante, sur le débit, sur la carte graphique, sur un peu tout, tu vois. Je dis, bon, laisse tomber pour 7 balles, je vais pas faire suer le PC, tu vois.
En fin, bah, il y en a plein qui. Il y en a un, il était d'accord avec moi et tout, pareil. Du coup, lui aussi, il était un peu chaud direct, tu vois. Et du coup, big up Mr. Eric. Et du coup, bah, en fait, il l'a pris direct. Donc, bah, il a payé les 7 euros, il a pris le serveur. Et du coup, on le gère. Bon, j'ai les codes aussi. En fait, on est admin tous les deux, quoi. Et on gère le truc. Dès qu'il a envie de rouler, il va rouler. Dès que j'ai envie de rouler, on va rouler. Tu vois, on crée un peu, on essaye de se réunir le soir. Mais en vrai, là, je vous parle de ça. Mais en vrai, ça fait qu'une semaine. Tu vois, parce qu'en fait, tout s'est déroulé tellement rapidement que on a l'impression que ça fait tant de temps, mais en fait ça fait qu'une semaine, tu vois. Donc en une semaine déjà, on a roulé pas mal pendant 3-4 heures normalement. Putain, je vais me coucher à quand même 21h, 21h30 max là. Je jouais jamais le soir, tu vois. Là, on a joué le soir et tout, alors que je démarre, bon, pour ceux qui savent, je démarre à 3h30 du mat. Enfin, je me casse. Donc chaud, tu vois. Mais du coup, c'était tellement kiffant, c'est tellement bien. En plus, du coup, on s'est partagé les comment ça s'appelle, les ben un peu les mods, tout ça. Moi, tu vois, sur AC, le normal, j'avais déjà voulu télécharger Content Manager, mais au final, ça allait pas. Le volant était pas reconnu et tout. Je dis, vas-y, laisse tomber. Il y a un tas de trucs à installer, encore que ça me mette des virus et tout. Vu que c'est des mods et tout, je dis, ça me saoule, laisse tomber. Et du coup, ils avaient installé le Content Manager, ils avaient installé des mods et tout. Et du coup, en fait, eh ben, ils m'ont montré et tout. Et on a installé carrément ça ensemble parce qu'il y en a, ils avaient des Patreons payants là, pour ceux qui savent. Et du coup, on a installé Sol pur et tout. Bref, du coup, après ça, je me suis un peu renseigné moi, j'ai regardé des tutos, des trucs et tout. Et du coup, j'ai passé le lendemain, je crois, qu'on avait installé ça, qu'on a roulé et tout. J'ai fait genre une après-midi entière, genre de 13h à 20h le soir, je crois, à régler tous les filtres, tous les réglages du pur, le sol, le truc, le zup, enfin bref, pour avoir une qualité graphique assez incroyable. Je posterai, je vais vous mettre quelques exemples photos pour que vous voyez maintenant. Sachant que tout ça, c'est du comment ça s'appelle? C'est en rendu 1080p. C'est pas du 2K, c'est pas du 4K. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai réussi à avoir cette qualité-là avec du 1080p. C'est parce que si tu dis ouais, c'est du 4K, t'as un écran 4K, tout ça. Bon, voilà. Mais ça m'aurait moins choqué, tu vois. Là, pour du 1080p, avoir les reflets, les détails-là, les trucs, franchement, le détail au sol et tout, c'est canon quand même. Je suis assez content de moi là-dessus. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que. Ce qu'il y a de bien, c'est que bah, non seulement la carte graphique, elle est toujours pas en sueur, j'arrive à le faire tourner, c'est moi qui l'ai bloqué, il monte à plus de 200, 300 FPS, je crois, même avec le test du benchmark là, mais moi je le bloque à 144, histoire d'être bien, surtout quand on est plein sur le serveur, tu vois, au moins ça force pas, c'est rien de forcer pour rien, de toute façon c'est pas un FPS, 144 images secondes pour de la sim, c'est largement suffisant, j'ai envie de te dire, donc je vois pas pourquoi faire forcer plus le bordel, ça sert à rien. Et puis du coup, voilà, t'as un plaisir à jouer, sachant que faut pas oublier que le jeu date d'il y a 10 ans en arrière, tu vois. Il est sorti en 2014, non, bon, on est en 2023, 9 ans, mais bon, 9-10 ans, c'est chaud, on dirait un jeu d'aujourd'hui, là, comment il est fait. Donc c'est assez sympathique, donc on a partagé plusieurs modes, tu vois, il y en a, ils avaient des modes, en plus, il y en a, vu qu'il a le race département, parce que normalement, ça aussi, c'est payant, mais du coup, moi, je l'avais pas, donc on récupère que des vrais beaux modes, tu vois, qui sont mis à jour en permanence, tout ça, donc c'est vachement cool. Et bah, voilà, hein, moi, j'ai partagé quelques modes que j'avais, notamment tous les BTCC, la full classe setup BTCC de l'époque là, donc la 406 STW, la version BTCC, les Opel, les Nissan Primera, enfin bref, toute la Kylik, les Laguna et tout. Donc c'est cool, en plus on s'amuse grave bien avec cette caisse là. Au final, je crois que c'est une des caisses qu'on a le plus roulé. On avait fait pas mal de courses, c'était avec les vieilles BTCC de l'époque là, c'était incroyable. Bref. Donc, bah, tout ça pour dire qu'on a un serveur, maintenant on va se le montrer, tu vois, si j'arrive à. Je sais pas si. Est-ce qu'il va me le prendre en. Non. A few moments later. Du coup. Ça rend bien ou pas? Normalement.
Normalement, ouais. Donc, bah, là, vous voyez que on est du coup sur le serveur, donc sur Assetto Hosting. Donc là, bon, il y a le compte. Là, le serveur, il est offline parce que je l'ai mis. Enfin, il n'est pas actif pour le moment. Et en fait, ce qu'il y a de bien, bah, pour ceux qui savent pas, après, bon, il y a des tutos, mais tu vois, tu rentres tout, t'as un million de paramètres, t'as les modes, voilà, les de circuits, de voitures, de météo, etc. Tu vois, t'as les calendriers, les week-ends de course, tu peux créer n'importe quel event. Il y a un système de pénalité déjà inclus, il y a un système de rang, tu vois. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Pour 7 balles par mois, franchement, surtout quand on est réunis, au pire, tu payes ça. Enfin, tu divises le frais, tu vois, 7 euros, juste déjà divisé par 7, ça fait 1 euro chacun, tu vois ce que je veux dire? C'est rien du tout, en vrai de vrai. Donc, non, franchement, et puis même au pire, s'il y en a un, il le prend un mois, l'autre, il le prend l'autre mois, tu vois. Franchement, c'est super cool leur système là, parce que sans ça, c'est vrai que ça serait un peu la merde quand même. Hein. J'avoue que sur PC, c'est pas top. Et du coup, bon, ben, on va se faire quand même une petite session, tu vois, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, on va se faire quand même une petite. En plus, c'est vraiment bien trié parce qu'en fait, sur chaque. Là, on le voit pas, mais en fait, tu vois, par exemple, pour les voitures, tous les couleurs rosées, comme ça, rose, ouais, on peut dire rosé un peu. Ça, c'est tous les modes, d'accord? Toutes les blanches classiques, c'est ceux qu'il y a de base dans le jeu. Et toutes les bleues, normalement, voilà, toutes les bleues là, c'est tous les packs DLC qu'il y a d'origine dans le jeu, mais avec les DLC. Donc tout est super bien trié, tout ça, tu vois, c'est vraiment abusé. Pareil du coup pour les circuits. Bon là, c'est pas de couleur. C'est pas colorié, mais t'as, tu vois, stock, ça c'est ce qu'il y a de base dans le jeu. Après ça passe au DLC, bon ben c'est ce qu'il y a en DLC. Et après c'est marqué mode, ça c'est tous les modes qu'on a ajoutés nous, tu vois. Donc franchement c'est vraiment top quand même. Y a pas à chier. Et du coup, ben, je vais vous emmener sur quoi? C'était un mode à moi aussi, bon, le Chamblé, tout ça, ok. Il est où mon petit Dijon Prenois 2016, le grand, le GP, tu vois. Donc en fait après là, tu cliques, tu vas chercher toutes les voitures avec lesquelles tu veux jouer. Donc là voilà, il y a toutes les BTCC. Moi j'ai ma petite affection pour la 406, tu vois. Hein, ayant fait des petits. Une réplique taxi, il fut un temps et tout. Tu comprends bien que la STW du Seigneur, elle est dans mon cœur. Si je la trouve un jour. Oh! Là. 406. Alors, tac. Tiens, on va en mettre quelques-unes si jamais. Si jamais il veut rejoindre. Ou quoi. J'aime bien aussi la 155. La 156, pardon. Je sais pas où elle est. Bon, bref, hein, on laisse tomber. On mettra ça plus tard. Donc là, on règle hein, les qualifications, practice, race, enfin, tu vois, long nombre de tours, tout. Donc ça, c'est le top, j'ai envie de te dire. Free join, le temps de latence, enfin bref, tout est vachement réglable. Là, on règle le nombre de participants qui peuvent venir. T'as un mot de passe, tout est vraiment bien fait, tu vois. Après, t'as 50 000 skins, tu vois. Là, tu choisis en vrai tous les skins, mais tu peux les choisir directement dans le. Dans le. Là, c'est en aléatoire, en fait, mais tu peux les choisir directement dans le. Comment on s'appelle? Dans le jeu, toi, en fait, sur le compte en manager, avant de rejoindre la session. Donc bon, ça c'est les aides que tu actives ou pas, voilà, l'usure, les trucs, le temps, la météo. Donc ça du coup, si en mettant le mode weather, tous les modes de partage, où on peut régler en fait tout le temps, tu vois. Là c'est en plus c'est affiché, du coup il te met la. Ah bah non, il te la met plus. Pourquoi il charge pas? Normalement il charge. Si je remets la mienne, genre il charge plus non plus. Ah si. Ah oui, parce que ça c'est ceux de base du jeu, donc il doit me donner que les modes. Ouais, voilà. C'est parce qu'en fait, tout là où il y a marqué sol, c'est tous les modes en fait. Et il m'affiche les modes, mais pas les normaux, tu vois. C'est rigolo ça aussi. Smoke Soul. Donc là, tu vois, il y a un peu de tout en fait. C'est ça qui est grave stylé. Moi j'aime bien tourner en général
En windy, parce que c'est un peu éclairé, mais bien nuageux. Du coup, tu vois, les graphismes, ils rendent pas trop mal. Tu vois, tu discernes bien les nuages, le soleil et tout, quand ils se montent, c'est grave bien. Température du sol, enfin bref, tout un tas de... Voilà, quoi. Du coup, après, bon, il y a le mot de passe et tout. Donc, il y a juste à mettre Save Race. Hop, tu mets Start. Et hop, le serveur, il est créé. Join. Bon, là, c'est pour commencer. Donc, là, hop, ça te fait ouvrir le compte en manager. Voilà. Tu fais favori, comme ça il est en favori. Là en vrai, je te montre vraiment toutes les étapes du truc, mais ça sert en vrai à rien parce qu'après tu suis des tutos, tu sais te le faire, tu vois. Mais franchement, c'est vachement bien fait. Du coup, là on est sur le content, on fait rejoindre. Hop. Okay. Bon, l'équipe, du coup, on est parti avec cette petite STW sur Dijon. Quel bruit! Chauffer les pneus tout doux. Et on est parti, l'équipe. Pas dû freiner là, mais bon. C'est pas grave. Bon, ben voilà l'équipe, hein, pas besoin de plus. Un tour ça a suffi, j'ai battu mon record quoi, carrément en plus. 1:22:51, ce qui est déjà quand tu tournes en. T'étais à 1:23 sur ce circuit-là, c'est déjà pas dégueulasse, mais là, 1:22:51, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hein. Si je suis sûr, il y a moyen de gratter encore là, bien comme il faut, il y a moyen peut-être de taper les 1:21. Une 21-7, une 21-9, tu vois. Enfin voilà, après bon ben on a les modes classiques, hein. Voilà, les trucs, tac, on peut changer, tac, mode photo, tout, qui régale. Mais bon, tu vois, le but du coup de quand même le petit résumé de la vidéo, c'était
C'était du coup de comment ça s'appelle de promouvoir un peu le fait que on va essayer d'organiser des events et puis voilà quoi. Avec nos propres moyens, nos serveurs essayer de faire des trucs bien sur le contenu de la chaîne quoi. Donc ça, j'espère que ça vous plaira. On va essayer de mettre un peu plus de contenu comme ça, en espérant que ça marche, tu vois, parce qu'en vrai, quand je dis ça, mais ça fait qu'une semaine, tu vois, que tout ça est mis en place, alors que je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps, et en fin de compte, tout s'est précipité, et on en est déjà là. Donc, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là, je pense qu'on va bien pouvoir se régaler, l'équipe, hein. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max. Et à plus tard, l'équipe!